Alors, nous allons terminer cet entretien avec une deuxième partie où on va parler du monde. Heinz, moi j'aimerais maintenant qu'on vienne de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'Europe, j'aimerais que vous nous donniez votre vision du monde. Et je vais vous faire débuter votre réflexion sur un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et je pense que je vais être obligé de vous contraindre un petit peu. Parlez-moi de l'état de la démocratie. Elle est un petit peu souffrante, la démocratie, à l'heure actuelle dans le monde. Dieu sait que oui. Maintenant, pour analyser ce qui s'affronte sur la scène du monde, parce que c'est des affrontements, des concurrences, des luttes, il faut partir, je crois, avec une clé d'analyse qui est aussi constamment négligée, c'est que dans le monde, il y a des entités politiques, des communautés politiques, c'est pas forcément des États, qui sont soit prémodernes, au sens d'une vision cyclique de l'histoire, où le passé fournit tout ce qui est à respecter. C'est des pays qui sont économiquement généralement à la traîne, parce qu'ils ne font pas l'effort de se projeter dans l'avenir, puisque c'est le passé qui revient, et donc ils apprécient, c'est très beau pour l'esthétique, ils apprécient la connaissance du sage qui sait que dès que je prends une décision, comme elle a déjà eu lieu, eh bien, je peux savoir quelle est la conséquence de l'action. Et ça peut inhiber l'action. D'une certaine manière, si on va en Afrique par exemple, il y a encore des coins où, par exemple, les gens n'arrivent pas à considérer qu'il y a urgence. Ils ont un autre rapport au temps. Et ils respectent ce qui a toujours eu lieu. Et ça, c'est l'Ecclésiaste quand il dit rien de Oui, nouveau sous le soleil. exactement. Donc, Ça a 2000 ans, ça dans date. le monde, il y a de ça. Ensuite, il y a les modernes, ça, c'est les Européens qui ont donné le là, avec Copernic qui déloge la Terre du centre de l'univers, et du coup s'ouvre la linéarité du progrès. Et au lieu de dire c'est le passé qui nous fournit la clé de tout ce qui est désirable et ce qu'il faut réussir, bon, soudain c'est l'utopie, c'est-à-dire c'est quelque chose de l'équivalent du salut, mais pas dans l'au-delà, mais salut ici-bas. Et le progrès, ça façonne des sociétés, si le progrès est accepté comme la norme, eh bien, les sociétés acceptent de changer. Et c'est dans la logique de ce changement qu'apparaissent les démocraties. On Parce qu'il n'y inscrit a pas d'ailleurs de le. démocratie là où tout est toujours pareil. Parce que ça, c'est nécessairement, si, tu vois, la valeur, c'est le passé, c'est la monarchie. Dans toutes ses formes, c'est la dynastie. Puisque celui qui investit de la légitimité de régner vient du passé. Alors que la démocratie naît comme idée. Je ne parle pas de la démocratie athénienne, Oui, parce que tout à ce n'est fait. pas du tout C'est pas la ça. même. La Oui. démocratie telle que nous l'entendons, elle naît avec l'idée de progrès. Oui. Et donc avec C'était une... l'histoire de l'Angleterre, ensuite des États-Unis, Exactement. avec un petit peu l'Europe, et c'est tout l'enjeu chinois aujourd'hui. C'est tout l'enjeu chinois aujourd'hui. Parce que l'appareil d'État, qui est le parti, Très pyramidal, très c'est le contrôle. passé, c'est Oui. féodal. Oui. C'est Et pour ça qu'ils les... ont un grand rendez-vous avec l'avenir, eux. Ouais, voilà. Et bien, les zones franches créées par Deng Xiaoping, ça c'est même pas la modernité, parce qu'il y a maintenant dans le monde encore un pas de plus, ce qu'on appelle la postmodernité. Et au lieu de s'appuyer sur le passé, et au lieu de se tourner vers l'avenir, on fonctionne dans la trépidation du pur présent, ce qu'on appelle le présentisme. Or, L'hyper-instantanéité. voilà. Et donc toutes les technologies qu'on a maintenant développent favorisent l'instantanéité. Et donc, c'est échapper à ça, c'est pas facile. Et donc, comment un gouvernement, par exemple, peut-il inscrire son action dans le long terme d'un progrès Exactement. si il faut sur Twitter réagir instantanément, Exactement. par exemple? Vous vous souvenez quand Trump est arrivé, et donc il réagissait à ce qu'il regardait à la télé, sur Twitter. Et on trouvait ça ridicule. Mais un an après, nos dirigeants se sont mis sur Twitter et La courent à même droite et chose. à gauche comme Oui, des rats. oui.
Non, mais comme des ratés, parce que dès C'est qu'il vrai. y a un petit truc à Toulouse, il faut que le Premier Il faut ministre aille à réagir. Toulouse. Je veux dire, c'est Oui. ridicule, Oui. il a autre chose à faire. S'il est moderne et s'il est en démocratie, il doit tracer le chemin du futur. Oui. Et, Mais c'est tout l'enjeu du temps très court, où en fait la modernité nous a exactement. jetés sous l'espèce de talibanisme du temps court, C'est ça. avec le temps long et la vision. Oui, c'est ça. Et c'est là où en fait on peut se poser la question en France ou en Europe sur la vision, d'ailleurs les États-Unis, alors que les Chinois ont une vraie vision avec le marathon de 100 ans. C'est là la puissance, même si, comme vous le dites, ils vont avoir des vrais, vrais rendez-vous entre le fonctionnement et les outils du temps ancien dans la Voilà, modernité. c'est exactement ça. Parce que le régime chinois se nourrit du passé. C'est un empire. Et féodal, dans son fonctionnement pyramidal. On peut dire que c'est une monarchie, mais c'est plus un empire qu'une monarchie. Oui. Et ça se heurte, je dis toujours, le premier secrétaire du parti a un seul ennemi à l'intérieur de la Chine, c'est le maire de Shanghai. Qui est à la tête de ce qui fait la prospérité de la La Chine. vitrine. C'est-à-dire là où on produit mais de façon absolument frénétique du nouveau. Or, le nouveau est justement ce que le Qui parti combat. ne peut pas admettre. Et donc, il y a une espèce de conflit interne. Et je vois, je dis toujours, la Chine est schizophrène. C'est vrai. Seulement, tant qu'ils réussissent à maintenir l'équilibre de Oui. ces deux choses, rapport au passé pour le parti, rapport au présent pour cette productivité incessante sans finalité de progrès. Hein. Il faut aussi savoir ça. Oui. Et alors, le problème que les Chinois rencontrent actuellement, c'est que le progrès à l'européenne, ils ne le connaissent que sous forme de copie, Oui, pour d'imitation, l'instant. Pour pour l'instant. l'instant. Fucci. Oui. Savoir refaire, Voilà. améliorer. Mais ils vont améliorer, ils améliorent déjà. Non, mais c'est autre chose. C'est-à-dire, ils peuvent construire Airbus et tout ce qu'ils Oui, l'ont d'abord ça y est, copié. c'est. Oui. Et le moment décisif, ça va être. Enfin, l'apparition en Chine, non pas l'imitation des tours Eiffel, il y a 13 tours Eiffel en C'est Chine. vrai. C'est C'est absolument vrai. hallucinant pour dire on est moderne nous aussi, mais c'est des copies. Ils ont copié des châteaux Entier. Oui, bordelais. oui. Ouais, Il y a des canaux de Venise dans certains fonds. Non, mais oui. c'est Allez voir hallucinant. le siège social de Huawei, où ils ont reconstruit 13 cités différentes, et la France est représentée par Mansart, un château de Blois, si vous connaissez Mansart. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que la Chine. Ce qui arrive aux États-Unis, c'est-à-dire cette division qu'on a du mal à expliquer, parce que ce n'est pas seulement que les uns sont riches, les autres sont pauvres, parce qu'il y a des pauvres aussi qui sont enfin, dans le camp de Biden. Ce n'est pas riche-pauvre, c'est quand on regarde la carte électorale, Oui. et donc sur les côtes, on vote C'est du démocrate, bleu, et dans le centre, c'est on vote. rouge. Est-ce que c'est les bouseux? Est-ce que c'est des gens. Même pas. C'est des gens déracinés qui vivent Oui. dans les roulottes, qui regardent la télé toute la journée. Et en fait, ils s'accrochent à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le progrès. Ils sont un Ils peu en dehors voudraient du monde, avoir. quelque part. Ils sont un peu en dehors du monde, finalement, quelque part, du mouvement du monde. Enfin, grâce à la télé, Oui. ils ont une idée de ce qui C'est ça. pourrait être réel. Et donc, Mais Trump était l'homme de la télé. c'est platonicien. C'est une représentation du monde. Tout à fait, c'est Ce n'est pas la second par vérité rapport à du la monde. réalité. Alors, ce que moi j'essaie de comprendre, c'est que aux États-Unis, il y a les tenants de la démocratie, qui s'appellent démocrates, ce n'est pas la gauche, c'est la démocratie, Oui. c'est-à-dire un fonctionnement de la cité qui est tourné vers l'avenir, l'amélioration, les conquêtes, enfin tout ce qu'on a connu. Et puis, il y a une Américaine qui s'est tassée, Oui. littéralement. Et qui vit dans la répétition du même. Ils sont sans aucune perspective, ils désirent même pas. Ils Ah, ça, c'est sont des vrais conservateurs pour le coup, hein. c'est des vrais Ah conservateurs. oui. Et ça explique que le Parti républicain ait eu ce succès incroyable, parce que ils se 10 millions sont. de voix de plus que la fois dernière. Oui, voilà. Et donc, si on utilise cette grille de lecture, il existe trois rapports au temps possibles. Et donc trois types de régimes Oui, possibles. oui. Ne comptons pas des régimes mixtes, comme le régime chinois. Et
les Américains aussi ont maintenant un régime mixte, parce qu'on ne va pas pouvoir faire l'impasse sur les aspirations de cette Amérique profonde. Elle va peser. Et donc, une des choses qui Donc me les trois régimes. préoccupe dans le monde, on va maintenant avoir une interaction. C'est comme les plaques tectoniques, ça se Oui. glisse comme ça. Oui. On va avoir trois références légitimantes. C'est-à-dire, on se réfère au passé pour légitimer la manière dont on agit. On se réfère au futur pour légitimer Le progrès. les initiatives qu'on prend. Et là, droite et gauche, même combat. Le secrétaire général de la CGT ne peut raisonner qu'en termes d'avancée et de recul. Et Mon donc, il est grand dans la ami lignée. Martinez. On a commencé les vidéos avec Martinez. Ouais, c'est assez savoureux ce mec. C'est une catastrophe. Ouais. Terrifiant. Alors, la grande énigme, c'est le rapport au présent. Le passé, on peut identifier le modernisme au sens donc d'une marche démocratique concurrentielle. Démocratie, c'est Oui, concurrence tout à vers fait. un futur qu'on vise ensemble. Et bien, ça se heurte aujourd'hui, mais à l'échelle du monde, à un produit technologique qui promet Paradise Now. Ça, c'est le. Quelle densité on donne au présent? Voilà. Comment habille-t-on le Ouais, présent? c'est exactement ça. Et du coup, c'est la mode. C'est-à-dire, c'est les ruptures. D'ailleurs, moi, j'explique toujours au chef d'entreprise d'APM que la mode apparaît au milieu du 19e siècle avec la génération de Baudelaire. Les dandies de Londres, c'est pareil, ils Le inventent le romantisme. look. Alors, le look, c'est la rupture qui est destinée à choquer le bourgeois et à intensifier le présent. Et alors, je leur dis. Quand la jupe remonte et la jupe descend, il y a changement, il y a même innovation, mais il n'y a pas de progrès. Non. Non, Et mais il peut y avoir des ruptures sociétales, comme l'Iran, par exemple, ou la France des années 60-70. non, mais l'Iran, c'est extraordinaire. Les mollahs ont voulu maintenir ce qui existait en France avant 1850, à savoir le vêtement statutaire qu'on pouvait Exact. enjoliver. Enjoliver, il y avait des magasins à Téhéran, fallait acheter des vêtements en fonction de ce qu'on était dans la société. Ça, c'est l'Ancien Régime. L'Ancien Régime vit de cette espèce de permanence du passé. Alors que la mode, c'est la promesse d'un basculement vers des jouissances instantanées. Et si on Exactement. accélère ça, regardez les start-up, qu'est-ce que ces petites entreprises éphémères, la plupart du temps, promettent? C'est un gain de temps. On achète du temps. C'est la dernière ressource naturelle à exploiter. Ce n'est pas une ressource naturelle physique, c'est une ressource naturelle psychique, notre capacité de désirer. Et c'est là, enfin, Non, mais vous avez moi, raison, mais bien sûr, parce regardez. que l'exemple le plus beau, c'est Abramovitch. Cet oligarque Oui, qui est en russe Angleterre, qui, qui est à Londres. oui, il a eu Il a un seul d'histoire club de parce qu'il a foot. gagné énormément d'argent très jeune, et il était intelligent, mais pas cultivé. Il s'est fait plaisir et soudain, il a découvert que son envie déclinait et il est tombé en dépression. Parce que le système de la satisfaction rapide et facile est préjudiciable à cette énergie étrange qu'est le désir. La capacité, c'est l'énergie, le désir. La capacité de désirer ne se déploie que dans le temps. C'est ça qu'on appelle les préliminaires entre nous. Et donc, pour qu'un plaisir soit durable, il faut investir pas mal de temps. Si on veut Exactement. avoir le plaisir tout de suite, il ne va pas durer. Et donc, le pauvre Abramovitch est tombé en dépression. Et il s'est dit, pour me sortir d'affaire, il me faut du temps de désir incompressible. Il a cherché, comme il n'allait pas au musée, à s'arrêter devant un tableau, le temps qu'il fallait pour acheter un club de foot. Et là, il y a les 90 minutes incompressibles, et il désire la victoire de son. Il est tous les samedis au stade, il se soigne. Ah, C'est une thérapie qui coûte cher quand même, hein, Heinz. non, mais c'est. Il pouvait se l'offrir. Oui, bien Mais sûr, bien sûr. après le troisième yacht, parce qu'il s'était offert des yachts où le plaisir c'était d'en avoir un plus long que l'autre. Mais bien sûr, oui. C'est comme des mômes qui pissent contre un Des mur, gamins, qui pissent plus haut que oui. les autres. Enfin, c'est tellement infantile. Et donc, lui, intelligent, il a compris que ça l'empêchait de jouir de sa fortune.
Il lui fallait du temps Ouais. incompressible. Et là, on est au cœur du sujet. Le monde est actuellement travaillé par le rapport au passé qui persiste, le rapport au futur qui est évidemment incarné par des pays, mais des pays dans lesquels il peut y avoir comme ça un retour au privilège du passé ou un basculement vers le privilège de l'instant. Et c'est ça qu'il s'agit de gérer. Et les États, les gouvernements des États ne sont pas nécessairement au fait de ce qui se passe. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire simplement dire il y a des États, ils ont leurs intérêts, c'est incontestable. Oui. Ensuite, il y a une question d'équilibre, est-ce que les forts ne vont pas écraser les faibles, etc. Des rapports de Enfin, force. tout ça peut être analysé. Mais en profondeur, ce qui crée des clivages dans le monde actuel, c'est le rapport au passé, le rapport au futur, le rapport au présent. Et puis, ce qui est assez intéressant à observer en ce moment, c'est qu'on voit bien que le, comment dire, on voit bien que rien n'est immuable, que les choses changent, les choses évoluent, et que notamment dans la démocratie, quand on affaiblit la démocratie, quand on met la main dans le cambouis de la démocratie, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on ait des accidents démocratiques. Et donc en fait, c'est ça, rien n'est immuable. Et moi j'ai l'impression qu'en ce moment, ça ne va pas durer, mais en ce moment, ça peut durer encore 10 ou 20 ans, il y a une espèce d'accord tacite entre le pouvoir chinois et son peuple en disant, je vous offre la possibilité de vous enrichir. Par contre, foutez-moi la paix sur le volet politique. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est ça le fameux équilibre, référence au passé, Mais référence ça à peut pas la durer, ça, jouissance. Heinz. Ça ne peut pas durer. C'est une maladie, si on veut. C'est schizophrénie. Oui. Et ça ne peut pas durer éternellement. Mais Mais ça ça. donne actuellement une force supérieure à un pays qui réussit ce jeu d'équilibre par rapport à des pays qui sont entraînés selon d'autres. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir, parce qu'on le voit bien, l'explosion depuis une vingtaine d'années, est-ce que vous pensez qu'on va avoir de plus en plus de régimes autoritaires à travers le monde? Mais On en a déjà beaucoup là. non, mais c'est évident. À mesure que la menace que fait peser le présentisme, qui atomise complètement les sociétés, parce que chacun y va de son plaisir immédiat. Et c'est même l'économie contemporaine qui Qui en... roule là-dessus, Oui. qui exploite ce Elle appuie sur tous désir les que buzzers. nous avons tous, le plaisir d'avoir plus rapidement. L'avant, par exemple, c'est un plaisir de l'ancien temps. Maintenant, à New York, il existe une boutique de produits de Noël qui est ouverte toute l'année. Et je suis allé avec un ami demander au propriétaire, mais alors comment vous vendez des articles de Noël toute l'année? Réponse, oui, il y en a beaucoup qui sont impatients. C'est magnifique ça. Il a tout compris, le type. Il a tout compris. Ça, c'est l'économie contemporaine. Et donc, il y a les remparts que sont des rapports au passé qu'on maintient. Et les Chinois qui ont eu des drames extraordinaires à vivre avec les guerres intestines, ils sont Oui. tout à fait reconnaissants à un gouvernement d'être stable. Et ça Oui. ne veut pas dire que ça puisse durer. Oui, tout à fait, tout à fait. On est d'accord. Donc, à partir de là, il faut, il me semble, se demander si la démocratie à laquelle nous tenons ne doit pas être défendue par des visions à long terme. Oui, la vision que De Gaulle avait, Que de quoi laver. et qu'ensuite, en fait, bon, moi j'ai coutume de dire, je suis un petit peu dur, mais à la limite j'aime bien les provoquer pour qu'ils réagissent, que tous nos gouvernants qu'on a eus après De Gaulle ont été simplement des contrôleurs de gestion, C'est ça. et ils ont géré le déclin de la France. C'est tout à fait ça. En l'an 2000, personne n'a investi pour les 50 prochaines années pour nos enfants. Exactement. Et des gens comme ça, il y en a un par siècle où on peut pas les cloner? Non, mais C'est... là, c'est aussi collectif, c'est-à-dire la promesse qui a déferlé dans les années 60, à savoir la consommation rapide et facile. Moi, je l'ai vécu comme une espèce de truc incroyable. Pratiquement du jour au lendemain, on avait l'impression que l'abondance était telle que c'était plus la peine d'acheter et donc de gagner sa vie. On était toute une génération, et donc ils volaient les livres, les disques, c'était connu. Voler, c'était même pas voler,
on se servait, parce qu'il y avait tout ça en abondance. Alors que on avait hérité la pénurie de la guerre, une morale de la pénurie, c'est-à-dire on ménageait. Bien sûr. Bon, et nous sommes actuellement devant un déferlement inouï de promesses de satisfaction rapide et facile. Et nos enfants ont un problème majeur de gestion de ces petits trucs qui passent par le smartphone Oui. et qui les empêchent d'avoir des envies De faire à monter le long terme. désir. Oui, de faire monter le désir, et ça, c'est le long terme. Oui, et Heinz, ça soulève un autre problème. C'est la question du sens. Mais il y Il n'y a a plus de. trois types de sens. Je peux faire du sens en tirant sur le passé. C'est un Oui. sens. Je peux tirer le sens du futur. Ça, c'est le progrès, la modernité européenne. Mais je peux aussi donner un sens au pur présent, parce que dans ce cas, c'est la jouissance immédiate qui est vendue comme sens. Mais on va Et avoir alors des. nous, on peut dire, pour nous, ce n'est pas le sens que nous appelons sens, Oui, je suis d'accord. oui. Mais la possibilité, par exemple, qu'a le drogué de justifier qu'il a besoin de son shoot, ben, c'est cette structure-là. La jouissance doit être instantanée et pas le résultat d'un investissement de temps et d'effort, parce que là, on est de nouveau dans le long terme. Et nous, on est à la frontière de ces Oui. trois possibilité de donner du sens. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit un petit peu le délitement de ce qu'on appelle pudiquement les valeurs, quand on a hérité de ça de nos parents, de nos grands-parents, le culte de l'effort, du Oui, travail, c'est ça. du respect, Oui. de la bienveillance. Oui. En fait, tout ça est totalement dissous. Ce ne sont plus que des mots qui ne sont pas incarnés en réalité. Exactement. Et c'est ça C'est pour ça que les mômes ne lisent pas, parce que la lecture est typiquement un investissement à Oui. moyen, sinon à long terme, parce que dès la première page, il n'y a pas de jouissance. Même à la page 10, C'est il austère y a... par Oui, rapport mais... aux écrans. où la jouissance est instantanée. Exactement. Et donc, c'est ce paramètre du temps, c'est ça que Ouais. j'essaye de dire de toutes les manières, qui est la clé de lecture de ce qui arrive au monde. Oui. Parce que les Notre régimes... rapport au temps, Et c'est toujours. notre rapport au temps. Depuis toujours. Les Grecs, les Romains et tout ça, depuis toujours. Voilà. Et est-ce qu'on doit, comme d'ailleurs quand on regarde le temps long, Oui. et on a cette passion pour le temps long, est-ce que par hasard, on va pas aller au bout du bout de notre bêtise pour ensuite redonner du sens et redéfinir des nouveaux paradigmes? Et ça, c'est arrivé, figurez-vous, qu'en 68, quand tout le monde criait, donc, il est interdit d'interdire Oui. jouissance, jouir. Sans Plus entrave, d'autorité. etc., plus de tout ça. Tout ça, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Une partie de cette jeunesse, dans cette espèce de vertige de la jouissance immédiate, C'est très bien a... recasé dans la société après. Hein. Voilà, ceux-là sont devenus des On a des noms. entrepreneurs avertis, surtout Oui. les Même au trotskistes. Parlement européen. Mais c'est souvent les trotskistes qui avaient quand même un héritage utopique à travers le communisme. Non, mais il y a des mecs qui sont allés dans le Larzac. Pour faire du fromage de chèvre, pour de nouveau s'insérer dans le temps long. Et Exactement. c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites. Il y a une réaction possible. Et donc, eux, ils se sont de nouveau inscrits dans le sens que fournit le passé. Parce qu'ils font comme on a toujours fait. Et donc, c'est très, très touchant d'aller les voir à Fort-Calquier aujourd'hui. C'est des vieux maintenant. Et ils ont vécu une espèce de. Des expériences. Oui, un rêve qui n'est Oui. pas de la satisfaction rapide et Oui. facile. Le fromage, ça prend du temps. Oui. Bah aussi, les Et les huiles saisons, ils essentielles, ça sont prend du temps. dépendants des saisons, il faut arrêter de vouloir des fraises à Noël, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai fondé avec le patron d'Actes Sud une école où le primaire, c'est le potager, c'est la patience, pour que les mômes apprennent Oui. que les tomates ne rosissent pas sur commande. Déjà, Ensuite, ils apprennent comment ça pousse. oui, c'est ça. Est-ce que On va apprendre cette espèce de rapport au temps qui est négligé quand on Oui. leur donne des satisfactions trop Ouais. rapides, trop faciles et souvent futiles aussi. Bien sûr. Et ensuite, il faut acquérir une compétence, une adresse. Oui. C'est plus que la patience. Et en Camargue, puisqu'on l'a créé en Camargue, c'est l'équitation. Donc, ils absorbent le programme officiel d'éducation nationale, mais le véritable travail d'éducation, c'est le cheval. Ouais. Et ensuite, C'est le vecteur. au lycée, c'est le partage, c'est les Ouais. langues.
Et donc on a le végétal en primaire, l'animal au Mmh. collège et Ouais. l'humain au lycée. Donc il faut qu'on impulse dans l'esprit des jeunes l'importance du temps long et c'est leur bonheur de demain, quoi. Et il faut C'est bien. vraiment leur impulser des valeurs et le temps long. Enfin, là, il suffit de dire que le plaisir durable, la durabilité est quand même le problème, le plaisir durable suppose un investissement long. Oui, d'accord. Parce qu'il y a une loi qui veut qu'une gratification est toujours proportionnée au temps qu'on a investi. C'est ce D'accord. qu'Abramovitch avait compris lorsqu'il était en dépression. Et on disait ça, vous disiez ça dans la voiture. La dépression, le Covid, en renvoyant des gens à des activités qui ne sont plus des activités où se déploie le temps. Parce qu'on est confiné, et donc la tentation est grande de se divertir avec les moyens. La dépression est absolument inévitable. Et donc, les psychanalystes vont avoir une clientèle abondante. Mais en fait, même pas que le Covid, en fait, si les jeunes ne réagissent pas et ne reprennent pas leur destin en main pour construire sa vie, pour donner de la densité à sa vie, un des métiers d'avenir, c'est psychanalyste. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais j'ai un neveu qui veut pas lire, il a 17 ans, très intelligent, mais jeux vidéo et Oui. smartphone à la main. Et quand son père lui a dit, mais pourquoi tu veux pas lire? Il a répondu, ça va pas assez vite. Tout est dit. Oui. Ça va, les plaisirs ne viennent Oui. pas. Et mon propre fils, il y a maintenant un certain temps, il voulait m'imiter, il commençait Les Frères Karamazov. Ça, c'est un roman Faut du souffle, pour les longs hivers russes sans hein. télé. Oui, avec Voilà. la cheminée. Et donc, il avait bravement lu 50 pages, et venu me voir, il me dit, Papa, je ne comprends pas, il ne s'y passe rien. Ah oui, le Alors, pour rythme est lui, très lent, oui. le critère pour lui, c'est que quelque chose devait s'y passer. Ben oui. Et maintenant, il y a une littérature qui est Oui. destinée à des consommateurs qui veulent avoir des événements à C'est toutes les vrai. pages. Comme les séries télé, Comme il y a les des séries, c'est exactement la même rebondissements chose. sans arrêt. Voilà, c'est exactement ça. Et le montage nerveux, comme on dit, des films, Oui, c'est vrai. c'est Avec soudain, ça des plans saupoudre, ça séquences en tac, 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 tac. permanence. Alors que des années 70-80, Depardieu disait ça, on pouvait faire un film en un seul plan séquence. Oui, absolument. Nous, on fait en condition du direct, Oui. pas de montage. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on a de la substance. On est Cher d'accord. Très bien. Heinz, ça a été mille merci en tout cas. Ça a été passionnant. Il faudrait qu'on fasse des rendez-vous plus réguliers comme ça. Nous allons probablement faire des conférences ensemble. On a évoqué cette idée, il va falloir qu'on Oui, développe ça ça sur une pourrait être. journée avec les clubs APM et pas que. Pas que. Mais franchement, mille merci de vos éclairages. On voit le monde différemment et ça a été un grand honneur. Et Merci. merci de m'avoir sollicité, parce que ce genre de truc dépend toujours de l'intérêt d'autrui, et on est de nouveau dans la solidarité. Qu'est-ce qu'on se doit mutuellement? S'intéresser l'un à l'autre. Et de là naissent les choses un peu plus intéressantes. Exactement. Voilà. Merci en tout cas, Heinz. À très très bientôt. À À bientôt. très bientôt.